Bonjour, aujourd'hui je te propose une séance juste pour les bras. J'ai deux bouteilles d'eau, tu peux vraiment utiliser des poids à ta convenance. Je pourrais même aller jusqu'à 3 livres, qu'à peu près 1,5 kg, 2 kg maximum je pense pour ces exercices. Mais tu peux aussi tout faire sans les poids. On commence avec les paumes de main tournées vers soi. On lève lentement les bras et on fait bien attention à guider la pointe des omoplates vers les fesses alors qu'on monte les bras. Même si je ne vais pas haut, et c'est mieux que je n'aille pas haut, je vais vraiment chercher à abaisser la pointe de mes omoplates pour éviter de faire ce mouvement-là en montant les bras. Et je vais avoir les bras à peu près au niveau de la poitrine. Une fois qu'ils sont au niveau de la poitrine, on va aller ramener les bras et les laisser là. Et on va tourner les paumes de main une fois vers le ciel, une fois vers le plancher. Voilà, on va faire ça une bonne dizaine de fois. En faisant toujours attention que les épaules ne soient pas là, mais bien dégagées des oreilles. Que ta posture reste bien alignée, épaules au-dessus des hanches, tête au-dessus du pubis. Maintenant, on va garder les bras tourner vers le ciel et sans abaisser les coudes, on va fléchir les coudes et tendre. Donc on fait vraiment attention que les poignets restent longs. Si je abaisse mes coudes, j'ai un peu manqué mon coude, donc je veux vraiment imaginer mes coudes sur une table et ils restent fixes. Encore une fois, la tête est bien alignée, le dos est bien long, on continue pour 4 de plus. Donc selon la force de tes poids, ou plutôt la lourdeur de tes poids, ça va être plus ou moins facile. On va garder maintenant les deux bras fléchis. Puis là, je vais rapprocher les coudes ensemble, ou les deux bouteilles d'eau, comme tu peux voir, elles se collent. Et je vais les ouvrir. Et on va vraiment faire attention que la shape de 90 degrés reste là. Ça veut dire que je ne suis pas comme ça. Et on referme et on revient, on ouvre. On peut aussi tourner les paumes de main face à moi. Tourner les paumes de main face à toi. Donc, tu es vraiment allé chercher ici, ouverture. Hop, et je referme. On continue pour 10 répétitions. On fait très attention dans le genre d'exercice que le buste ne bouge pas. Ce qui fait que je ne fais pas ça avec ma poitrine, ni ça avec la tête. Ce qui va m'obliger à travailler les abdos. Et aussi au niveau de la ceinture scapulaire, donc les deux omoplates, se rapprochent un petit peu tout en restant très ouvertes puisqu'on ouvre les coudes. Parfait. On continue, je sais que ça commence à être fatigant. Ici, on maintient la position, on recule la tête et on va tendre et fléchir. Toujours dans cet allongement et cette ouverture. C'est ça. On continue pour 10 à partir de maintenant. 10, 9. Donc même en vacances, hein, t'as pas de poids, c'est pas grave. Au moins, on utilise les petites bouteilles d'eau jusqu'au bout. Et on continue pour 6. 5, 4, 3. Tu peux aussi, si tu veux un peu moins lourd que ces bouteilles d'eau, tu les remplis à moitié. On va garder les bras bien tendus, les abaisser. On rassemble les jambes ensemble. On lève les bras à hauteur d'épaule en glissant bien la pointe des omoplates vers les fesses. On amène en arrière, puis tu résistes à ta descente. Tu résistes, puis là tu vas pousser et attention à ne pas enrouler les épaules en dedans. Donc c'est pour travailler l'ouverture et la posture, on pousse en arrière. On reprend. Et 1. Donc je garde bien la tête alignée et je garde le corps bien ouvert. 3. 4. Très important ici de travailler les muscles des bras, mais aussi de la ceinture scapulaire. Si tu as une posture comme ça, tu as beau avoir des beaux bras, ça marche pas. On continue pour 5. Donc toujours en engageant les abdos. Pour la respiration, j'inspire en montant. J'expire en arrière. Il en reste 3. Donc, je compte toujours aussi mal, mais c'est pas grave. On commence à s'habituer. 2. Et on reste en arrière, on maintient la position. Ici, dégage bien tes épaules, serre tes abdos, recule un peu ta tête et c'est des petits pompages. Une petite pompée vers l'arrière, le dos bien long. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On continue. 10, 9, 8. À la fois, je tire un peu vers le bas tout en allongeant la colonne. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et 1, on relâche. Fait qu'on a les deux coudes bien fléchis, à 90 degrés bien collés.
Encore une fois, je vais me positionner en V. Donc, je fais les jambes ensemble. Hop, V, talons bien ensemble. Toujours de l'énergie à l'intérieur de mes cuisses. Donc ici, c'est la coiffe des rotateurs. Encore une fois, les poignets doivent être bien alignés pour le moment. Donc, tu vas aller chercher une petite ouverture vers l'arrière. Imagine que tu as un livre calé vraiment au niveau de tes coudes, le long de ton corps. Tu veux les garder bloqués. Puis tu peux toujours d'ailleurs à la maison le faire. Si au début, tu ne vois pas trop ce que je veux dire, parce que souvent, les gens ont tendance à faire ça, ce qui n'est plus le même travail musculaire. Donc là, on travaille les muscles des bras, mais aussi, surtout, de la ceinture scapulaire. On continue en rajoutant extension, rotation, rotation vers le ciel, je fléchis. Et deux. Et on continue. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Je travaille jamais avec des poids lourds et ça donne de bons résultats. Dernière fois. Et on revient ici. Les pieds sont un peu plus larges que les hanches, genoux un peu fléchis, les épaules au-dessus des hanches. On va ouvrir les bras face à moi, les paumes de main face à moi. Puis là, à nouveau, je vais enrouler les poignets du dedans vers l'extérieur. Donc les paumes de main vers moi, les paumes de main vers l'extérieur. Mais j'ai toujours les poids en main. Si tu n'as pas de poids, tu peux faire la même chose avec tes poings, tout simplement, hein, c'est pareil. Hein. C'est vraiment pour travailler cette flexibilité et cette mobilité des poignets. On regarde loin, puis comme je te dis, bah, les deltoïdes, là, ceux-là, là, ils soutiennent ton bras, donc ça travaille pendant ce temps. On continue pour 8, 7, 6, attention de ne pas fléchir les coudes, 5, 4, 3, 2, et 1. Ouh, on relâche. Allez, un dernier pour les poignets et les bras. On s'en va. C'est moins facile avec les bouteilles d'eau, mais ça devrait faire la job quand même. On va vraiment faire des cercles. Donc, il y a toujours un poignet qui est un peu plus d'homme que l'autre. Comme je suis droitière, ben, mon poignet droit est plus flexible. Puis l'autre, il est un peu comme genre, mais qu'est-ce qui se passe? Que veux-tu? Essaye de me faire faire. Dans l'autre sens, on continue pour 8. 7. 6. 5. 4, 3, 2 et 1. Et on relâche. J'espère que tu as apprécié ce court extrait de ma nouvelle vidéo sur kinépilates.tv. On peut vraiment faire plein de choses avec juste deux petites bouteilles d'eau. Donc même si tu n'as pas de poids, tu peux toujours muscler et tu n'as pas besoin de poids très lourd. Au contraire, c'est mieux pour protéger les articulations de tes épaules, de garder toujours des poids légers, mais de faire plus régulièrement tes exercices. Je te propose d'essayer ma nouvelle plateforme où tu pourras découvrir la séance au grand complet sur kinépilates.tv avec 7 jours totalement gratuits sur kinépilates.tv. À très bientôt, bye bye!